Ah, merci beaucoup, ma chérie. Ben, de rien, avec plaisir. Aïe. Alors, la petite journée, aujourd'hui, nous fait quoi? Alors, elle me propose à de changer un petit peu de nos habitudes et d'aller voir un peu tout le monde que nous avons rencontré ces derniers mois. Donc, nous refait un petit best-of et puis qu'il y a un tabac, alors. Voilà, appelle Alissa comme ça. Les super, non ou... Ben, je l'ai là, donc... Salut, salut. Ah ben, écoute, ben, aujourd'hui, nous avons tout le temps de profiter, justement, de regarder avec Zot cette saison que nous espérons que l'a aimé, comme nous, d'ailleurs. Et puis, ben, allez, finis le café et puis nous allez, parti. Nous finis. Allez, c'est parti. Cette année, on la plante un petit peu le riz rouge, mais comme il fait très très froid, et puis l'île a poussé, mais l'île a... Ah ben oui, regarde, nous voit que... L'île a commencé à fleurir, on a les balais après sortir. Ben, mais là, ça, quand il commence à jaunir, là, voilà, si on l'a pas mettre un filet là, les oiseaux, ils baissent. Ouais, franchement, alors Diane, alors, qu'est-ce qu'on a dans le petit barquette là? Henriette sardine, ouais. Justement, on va mettre un petit peu le bon fleur, le bon chips, juste comme ça pour faire la bouche. Ouais. Un petit boulette. Chouchou, bread chouchou. Bread chouchou. On a fait un petit pâte à beignet avec le vin coup de foudre de Fabrice. Ben oui, et de Fabrice. Voilà, et de Jeanne. Donc du c'est coup ça. le premier pétillant naturel de la Réunion et des Outre-mer. Elle a mis 3 cm la main dans la terre comme ça, là, la première machine pour faire passer. Ah non. Ah ben si la machine est là. Une griffe. La machine est là, mais même avec la griffe qu'on passe là, parfois elle n'est pas pareille, elle n'est pas calculée. Tandis que le doigt est mobile, au gager à lit. Ouais, Mathias. Dis pas moins que c'est des betteraves en piqueuse. Ah, on est sûr. Hé, hey, dis pas Alice rien. Hein. Ah bah tiens, on va voir. Ah, comment est Alice? Bah très bien, j'ai entendu que Nena dégustation par ici, donc ah bah oui. Il pointe à moi au bon moment. Eh bah t'as raison, je viens de prendre la pince et allez. Tu fais comme chez toi. Bon là. Bon, on espère que les premiers épisodes la plus à nos téléspectateurs. Hein. Même j'espère aussi, mais en attendant, il faut quand même que nous redonnons la famille de Marami de ce midi, non? Les vrais aujourd'hui, Daniel, ils goûtent pas. Non, on goûte pas rien, on l'a sinon. Hein, le temps de nous sachez notre primeur, nous invite à soit à regarder la suite des émissions. Eh ben, nous perdons pas le temps, comme vous me dire, et nous, ça va. Allez! Côté aussi de la femme dans ce métier a été compliqué. Et puis en tant que oreille, d'être une pièce rapportée de la métropole, où bah j'essaye d'être dans la culture locale, de refaire des légumes longtemps, on s'adapte là où on est quoi. Et moi, bah, à la base, j'étais pas chez moi, je m'adapte à mon pays où je suis. Je n'aurais jamais, enfin, mange la feuille de capucine. Hein. Moi, en tout cas, dans ma cuisine, je fais ce que je veux. C'est ma cuisine. C'est la tienne, voilà, c'est ça. C'est bien la tienne. C'est un citrouille chinois. Ah. Donc, tout ça là, avec plein de citrouilles. Mais les recouverts. Ouais, les recouverts d'herbe. Ben, la banane est un peu loin là-bas. Oui, oui, oui. Mais voilà. Ben, dis, ben, elle est jolie, là. Ouais. Bon, mais je pense que le chef va être content. Ben oui. Ça marche, merci. Comment ça va? Ben, très bien. Allez, mets un vite à Zot dans mon petit resto. Ah, nous les charger, nous les charger, vous l'avez remarqué. Plaisir, oui, bien sûr, parce que le producteur va faire moins plaisir avec tout ça là, donc à moi de remercier Ali aujourd'hui. Ça nous l'est exactement? On est sur le pôle médico-social ouest de l'ALEFPA. Donc, bienvenue. Donc deux établissements, un IM Pro et un ESAT, et c'est l'ESAT qui vous accueille. Palmier, c'est royal ça c'est une bonne qualité de palmier. Le Mafa de Café, dès le départ, c'est une cuisine qui se fait 100% locale. Donc aucun produit importé, aucun produit non transformé à La Réunion. Oui. Bonjour, monsieur Dugas. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, même d'Alice, Alice et Daniel. Mais enchanté. Monsieur Dugas. Et juste deux petits morceaux boudin, vous avez goûté. Ah, ben si, saoulez, vous pourrez nous parler sentiments. Vous n'avez pas dire non. Boudin de poulet aussi. Boudin de fouette poulet. Ben, monsieur Timmy, merci bien. Ben, merci à Zot. Merci à Jérôme d'avoir choisi à nous. Exactement. Depuis ces années. Exactement. Et puis, nous invitons les gens à venir voir. À venir, pas seulement voir. Oui, si Zot y gagne, réacheter, c'est les gars. Ben après, bien ne serait-ce pas cette blague avec moi c'est content. Mais dès le début, on a voulu travailler les produits de La Réunion. Dès le début, oui. Et le burger en lui-même. C'est le pain artisanal. Ouais. On a le nature. Ouais. Langue de sèche. D'accord. Et curcuma. Normalement, quand on sort, ici, on a plus faim. Normalement, non, la plupart du temps, non. Ça et le fil. Travail des types.
Bon, ben là, nous, la fine achète tout ce que nous avons besoin. On est sûr. Fruits, légumes. Moi, mina tout, en tout cas. Il manque pas une affaire, là. Non, bien affaire. La viande. Bon, ben écoute, ne perds pas trop le temps, comme d'habitude, et nous enrôder. Et saute, continue à regarder, saute, hein. Allez. Comme elle a quitté la Réunion, moi, ça va en France, mes études. Moi, tu connais pas si ça revenait tout de suite, ou ça me ça fait tout de suite. Quoi. Et après, quand elle était là-bas, ça, on a compris que, côté, ben ici, nous vivons bien. Tu vives avec la terre, on avait des gens autour. Ouais. L'agriculture à l'époque là, c'était de moon. Bon là, aujourd'hui, mien, autant ça fait qu'on contrôle dans le carocane. Pour moi, c'est une aberration. Vous empêche de moon aller travailler. Pour moi, le réunionnais, aujourd'hui, un patate, ça tu manges plus. Un songe, ça tu manges plus. Un tas d'affaires, ça tu manges plus. Un bread chouchine à mer, ça tu manges plus. Dans une chanson, il dit laisse un moukata pour de mon yabit ma fat. Non, aujourd'hui, il faut nous amener nos petits-enfants. Qu'au ça, il faut manger. À connaître la maladie. Parce que mais, toutes les industriels, ils mangent que des produits, mais les pas bons. Et nous, nous n'avons tout dans la terre. Souvent, les personnes, quand ils voient l'agriculteur, là, ils voient l'agriculteur un petit peu avec son petit pelle et sur les épaules, il siffle et puis il est joyeux, il chante avec les oiseaux. Mais il est très difficile. Très difficile, très compliqué. Donc après, ça, c'est pas la vie de l'agriculteur. Quand on regarde le métier d'agriculteur, rien ne va. Quand on plante quelque chose, ça pousse pas bien. Il y a les bébêtes qui arrivent, la pluie, le cyclone, le ci, le ça. On est constamment en train de régler des problèmes. Marie-Claude, ben là nous ramasse ta marin, pourquoi nous la fait un petit jus? Ah oui, vous faites un petit jus. Ah, par contre, midi au dessus, ça l'a ramassé. Tu vas boire. Ça l'a pas ramassé. Il va boire de l'eau. Il va boire de l'eau, ma midi hein. Que ici c'est un élevage d'engraissement. Ouais. Nous, ben, nous gagnons les 8 taureaux que ben, tout le monde appelle Bruta, entre à l'âge de 9 à 11 mois. Et donc, ben, ça, tu viens ici pour mettre en graisse les autres pour envoyer à l'abattoir ensuite. Ah, okay. Donc, voilà. Notre mode de vie actuel, il convient à nous parfaitement. Parce que ben, nous, maintenant, nous travaillons en famille, hein, même avec bébé, Gabriel et tout. C'est vraiment un travail tous les jours. Il n'a pas de week-end, n'a pas forcément de vacances dans ce cadre-là. Je veux dire, hein, quand il y a des commandes, il faut aller récupérer les légumes. Et aujourd'hui, ben, il rend compte que ben, c'est un métier qui passionne à moi autant qu'à lui. Bon, mais c'est Charlie, n'a pas oublié, non, Daniela? Ah oui, celui-là, il chauffe, là. Et oui, après, il y a un petit coup, là. Nanmoun? Oui, entre autres. Bon, ben, Charlie, on a récupéré notre petit volaille. Et bon? Ah ouais, sera joli, il donne marmite à l'is, hein. Sera très joli. Ben, j'espère que vous revenez pour la prochaine fois. Il n'y a pas nous va revenir. L'année prochaine, nous, on est là. D'accord, ben. En attendant, nous, des autres, continuons à regarder les épisodes qui suivent derrière. Et nous, ça va à la maison pour cuisiner. Allez, on y go. Allez, c'est parti. Au revoir, Charline. Merci. Au revoir. Donc là, Nathalie, nous lui donne un petit carreau choucal, alors. Voilà, c'est ça. Et bien, par contre, ça. Il vient bien si on l'a plein, hein. Oui, oui. Il est vert et il vient bien, très bien. Donc là. Avec ça, ou diamant au feu, ou petit fricassé bread. Voilà. Et on peut faire quoi encore avec choucal? Beignet. Il fait un beignet. Ah, voilà, comme flotte capucine. Donc ce midi, on a des chances que nous mangeons un petit beignet. Bah oui, peut-être aussi. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Thalie. Comment ça va? Oh, ça va, oui. Allez. Bonjour, Sylvie. Voilà. Salut, on t'aime. Bonne retrouve. Oui. Alors, t'es bon la dernière fois? Oui. Bah, dis-nous, hein, mange quelque chose, t'es bon. Mais là, c'est chez elle, nous, on mange gonflant, hein. Allez. Ben, nous ne perd pas le temps? Oui, voilà. Nous ne perd pas le temps. Allez. Allons. J'ai rendez-vous avec l'adjudant Barré. D'accord, ce serait plus avoir une identification. Ah, il est là. Ils ne rentrent pas comme ça ici, les gars? Essentiellement, transformation de fromage. Et ce fromage-là, il est destiné à quoi? À être revendu ou c'est en usage interne? Non, en fait, c'est en usage interne parce que bah, finalement, comme nous le voyons récemment, c'est un but pédagogique. Donc, il ne peut pas permettre de revendre les produits parce que bah, quelque part, il peut être de la concurrence déloyale. Et moi, il n'y a en aucun cas là pour mettre des freins aux gens qui construisent ce genre de projet à La Réunion. Au contraire, bah, là, pour aider Azote et donne Azote des jeunes que notre savoir-faire là. En fait. Donc, bon, il faut vraiment inciter les familles réunionnaises à envoyer cette marama ici, non? Ah oui, et qui plus est, hein, quand on a un formateur comme Ludo par exemple qui prend les jeunes en compte, les jeunes déjà y apprend un métier, mais y apprend aussi la débrouillardise de manière générale. Parce que au RSMA, certes, nous fait de la volaille, nous fait ci, nous fait ça, mais le matin, ben, les gars, ils lèvent, ils entraînent, ils font une culture, ils apprennent à traiter des animaux et ils restent dans la tradition à un maximum réunionnais. Et ça, tout y reste comme on a toujours fait à La Réunion, en bien sûr respectant les normes d'hygiène qui arrivent au fur et à mesure de plus en plus. Et de toute manière, nous essayons de rester un maximum dans la culture réunionnaise. Que l'attirement dans la main de la terre, c'est voir comment Pépé et Papa l'a toujours donné à Zot Coréam dans le travail. Au fond de Zot, me connaît que
vous auriez aimé que vos enfants et vos petits-enfants reprennent ce que vous avez commencé. Et c'est ça que m'y aime et que la motive à moi vraiment. Franchement, Alice, beau moment avec ces gens, avec ces agriculteurs, ces producteurs. Franchement, moment de partage intense. C'est vrai qu'il était vraiment chouette. Comme vous l'avez pu voir, nous l'avons pu forcément, vous l'avez vu nous avoir rempli nos assiettes, mais nous l'avons surtout rempli à nous de toutes ces histoires. Et nous espérons que nous allons continuer l'année prochaine avec Zot. Mais en attendant, Daniel. Mamie plus, j'épiche. Donc le carré, il s'est bientôt réussi de feu. Donc là, il faut continuer. Nous avons encore des épisodes qui arrivent derrière, donc nous laissons Zot regarder. Allez, fais péter. C'est un produit que les gens recherchent beaucoup. D'accord, ok. Oui, il est très à la mode. Il est très à la mode parce que ben, depuis longtemps, on avait perdu des semences et tout ça. Mais là, on me dit, bon, mais essaye de refaire ça, de entretenir et tout. Et puis voilà, on l'a essayé au début par 1000 mètres carrés, 2000 mètres carrés. Il m'a fait des petites parcelles et dans ce temps-là, il faisait marché forain et tout ça. Il dit, bon, ben, les gens, ils demandent à moi tout le temps. Il dit, ben, monsieur, à chaque fois, on n'a plus de artichauts, on n'a plus. Ben, il me dit, bon, ben, ma plante un peu plus. Ben, longtemps qu'on y portait à l'école, là, on n'a pas trop le travail d'école. Moi. On a toujours été dit à mes parents. Et papa disait, moi, non, on n'apprend pas l'école. On va travailler la terre, elle n'est pas facile, la terre. Ben, finalement, on ne regrette pas mon métier parce que pour moi, ce n'est pas un métier plus mauvais que les autres. Il y a un an et demi, tout juste, que m'a repris l'activité de papa. Du coup, voilà, pour moi, il fallait imiter, garder cette tradition et surtout, moi aussi, je ne voulais pas perdre le goût parce que qui ça n'aurait fait une recette comme ça aussi. Donc, je l'ai continué à garder. Tu as fait un goût de sel, là ? Ben, il va goûter, mais Daniel aussi, tu veux goûter d'ailleurs. Ah, moi, je goûte même, moi. Oui. Goûte, alors, nous va goûter ensemble, si tu veux. Prends bien toi dedans, ça. Fais péter, maman, fais péter, allez, pas le temps, là. Avant, je faisais le fumier maison traditionnel dans une petite cabane fermée, ouais. Fermée là, et puis avec la chaleur tout dedans. Et puis là, il prenait plus de temps aussi pour filmer. Moi, j'aimerais bien que ben, le monde y achète directement avec l'agriculteur en fin de compte. Parce que là, par exemple, moi, je suis dans les quartiers, je suis à Carrosse, mais je pourrais nourrir tout mon petit quartier, moi, là, s'il faut. Attendre pas la guerre, attendre pas dans la guerre pour venir avoir de légumes chez moi. Parce que moi, sinon, il faut ça aller revendre par là, aller redistribuer par là. Que les gens, ils savent directement chez l'agriculteur pour prendre des légumes plutôt qu'aller dans les grandes surfaces directement et acheter des légumes qui n'ont pas forcément des bonnes valeurs nutritives en fin de compte. Voilà, aujourd'hui c'est Daniel l'a fait que manger. N'y goûte pas, mais c'est ça de va goûter mon manger. Eh ben écoute, nous avons bien travaillé en tout cas, donc il faut servir parce que maman est la faim, t'es là. Maman est lourde aussi sur toi, Alice. Hein? Bon, en tout cas, nous espérons que Zod la passe encore une fois un bon moment. Ben là, nous ça passe à table en tout cas. Donc nous espérons que Zod va continuer à regarder les prochains épisodes. Et bon appétit! Moi, vraiment, m'a toujours baigné un petit peu dans l'agriculture. M'a toujours été déjà papa, déjà papy aussi, dans l'agriculture. Mais il n'a pas fallu longtemps pour rendre à moi compte que ma place est ici. Le métier d'agriculteur aujourd'hui, mais qui qualifie Ali de difficile. Il est content qu'on ait maman et qu'il veut reprendre l'exploitation. Il dit, ben voilà, tout ça là, il y en a une suite, il y en a un autre départ. Mais dans quel sens ce départ-là? Quand on voit la situation aujourd'hui, on a de quoi se poser des questions. Ouais. La qualité n'est pas dans le visuel, la qualité est dans le produit. Mais ça, c'est vrai, ça, maman. Arrête de regarder l'oiseau par son plumage. C'est vrai que visuellement, il n'est pas fameux, mais en goût. En goût, c'est le top. Après, rien n'est à panneau. Oui, mais là, tu veux manger? Non, la même pour les oies, où sont les oies là? Il reste des oies là, non, il reste des oies là. Mais ça canage une bière. Non, des hier, j'ai tout mangé, caché. Les choses sérieuses commencent pour un repas de réveillon de Noël. Voilà l'équipe, hein, là en cuisine là. Dans un Noël réunionnais, c'est que chacun n'a ses tâches. Ici, on a l'équipe la cuisine. L'autre côté là-bas, on a l'équipe décor la table. Déjà, moi, je tiens à remercier la famille Robert pour cet accueil. Mais on n'aurait pas dit qu'à 24 au soir, nous serions là. Non, nous n'aurions pas dit, mais nous sommes contents d'être parmi eux, en tout cas. Ah oui. Merci beaucoup. Et ça te fait à nous plaisir, c'est surtout là. Il y a un petit mémé, il y en a 101 ans. Ouais. Mettre en lien nos produits, notre famille et ce moment de partage-là, j'espère ça toute la réunion, ça va faire péter.
On nous dit, nous répète à chaque fois, mais un grand merci du fond du cœur pour toutes les personnes qui rouvrent à nous notre porte, qui invitent à nous sur notre carreau la terre. Et encore merci pour cette belle saison, la saison 4 des Picueriens à table, que vous avez fait vivre à nous et j'espère que vous l'avez apprécié. Bonne année et à l'année prochaine. Mais bravo, surtout, bravo, 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 bravo d'avoir ouvert à nous notre carreau la terre. Bravo surtout pour montrer aux Réunionnais cette manière de vivre, la mise en avant de nos produits pays. Et merci beaucoup, mon bon parrain. Parce qu'avec ça, en sorte là, nous n'est pas ce que nous l'est aujourd'hui. Allez, on a trouvé 2023. Hein. À l'année prochaine.